Merci mon frère, c'est gentil. J'étais à la poste, ouais. Oui, ça va. J'attendais 18 hier, ils m'en ont donné 9. Ouais. Et il reste 9, oui. Oui. Oh, okay. Ok. Merci mon frère, au revoir. Oh là 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 là. Renga, you look for me for waiting. On me tague sur les commentaires que tu as écrit un post sur moi. Ma soeur, tu me cherches pourquoi? Nous, on travaille. Tu cherches les gens, tu tagues X, tu tagues Y, parce que tu n'as rien à faire. Nous, on est occupés à travailler. Nous, on est occupés. Tu tagues les gens du haut, jusqu'à tu dis que je suis l'air. Gringa, qui te manque? Qui t'a menti, Gringa, que tu étais belle? Les vraies femmes sont en train de travailler. Toi, tu es là pour dire que, oh, taguez-moi. Taguez-moi la maman des beaux gosses. On te... Ma, je ne suis pas... Grand-mère, je suis occupée. Mamie, je suis occupée, grand-mère. Tiens, tiens. Monte, j'arrive. J'allais remonter, remonter. Je vais commander en ligne. Je n'ai pas le temps. Pendant que toi, tu es en train de taguer les gens. Gringa, tu es belle avec toi, tu connais la beauté. Regarde-moi. Sans maquillage. Gringa, viens, je te dis, toi, qui t'a menti que tu étais belle? Gringa, regarde-moi, sans maquillage, look at my face. Va, va là-bas. Look at me. Regarde une femme. Ça veut dire, je suis sortie de ma salle de bain, j'ai mis une crème hydratante. Regarde mon visage. Regarde ton visage, tes gros yeux comme l'eau, qui sont hautes de l'orbite comme le crapaud. Toi, tu parles de beauté à qui? La beauté, ce n'est pas mettre les fonds de teint, mettre les filtres. Est-ce que tu peux rester comme ça? Tu ne peux pas. Mais qui vous a même d'abord menti? Qui vous dit même que vous êtes belle? Tu es belle avec quoi, compresseur? Tu connais ce qu'on appelle belle femme? Tu connais ce qu'on appelle une belle femme? Au soin. Moi-même, une vieille mère comme moi, avec deux enfants, compresseur. Il n'y a pas l'homme qui peut me faire ce qu'on te fait là. Tu sais pourquoi? Parce que I'm working. I'm busy working, compresseur. I am busy working. Pendant que tu es entré à la maison, pendant que tu es en train de brûler tes mains pour donner à un homme là, moi je brûle ma part, ça me donne l'argent. Et j'ai laissé mon courrier à la poste. Aidez-moi si vous pouvez. Ouais, moi je peux. Juste qu'on me cherche en commentaire. Tu cherches ton. Tu cherches. You look for your king. Doucement, Janine. Tu cherches ton patron. Juste qu'on me tague qu'elle est en train de me chercher. Ma chérie, on a les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Haba. Si tu ne peux pas, tu laisses ma bébé. Il faut taguer souvent les gens avec qui vous restez. Vous êtes au quartier pour faire de la bêtise. Pour les gens avec qui vous perdez le temps au quartier inutilement. Ne me tague pas, mamie. Je ne suis pas ta camarade. Du haut de mes responsabilités, je peux encore te rajouter dans mes responsabilités. Et je m'occupe de toi clairement, chienne. Jusqu'à dire, elle est là, elle me tague. Oh, quelle est l'aide. Maman. Facebook. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Fais attention, Maëlle. Fais attention. Il y en a plus. Si, il y a tout ici. Tout ça, c'est les réseaux sociaux. Sinon, depuis quand? Someone that don't know himself. Quelqu'un qui ne connaît pas le sens de sa vie. Ça veut dire chaque être humain vit. Il a des rêves, il s'accroche à ses rêves. Quand vous voyez quelqu'un qui a arrêté de rêver, quelqu'un qui a arrêté de rêver et qui a décidé... Aïe, mon Dieu, mon dos. Quelqu'un qui a arrêté... Quelqu'un qui a arrêté de rêver, doucement. Gianni, toi, si tu peux apporter, tu laisses. Tu viens bloquer le passage aux gens.
Mais Dani. Ben oui, c'est ça. Djali, et c'est bon là, tu arrêtes. Hein? Tu ne peux pas porter, mais tu viens empêcher les gens de passer. Oh. Quitte là, quitte. C'est bon, merci. C'est gentil, mon bébé d'amour. Quelqu'un qui a faim. Toi, tu viens insulter les gens sur Facebook. Oh, oh, la beauté. Oh, la beauté. Tu es là, tu es belle et puis tu deviens la risée de... C'est-à-dire que tu es l'ombre de toi. Tu es là, tu discutes un... Quand je brûle mes doigts, comme tu brûles à la cuisine là, moi ça me donne de l'argent. Quand je brûle mes doigts, comme toi tu brûles à la maison, ça me donne de l'argent. Est-ce qu'il y a de son maintenant? Ah merci. Toi tu veux parler à une femme comblée. Regarde, j'ai reçu la livraison. C'est mes garçons qui sont en train de porter pour me faire, pour rentrer. Tu veux parler? Compassion, parfois quand vous voulez même aller insulter les gens, mais regardez même la vie de ces gens et regardez les vôtres. Je suis une femme bénie, compassion. Je suis une femme bénie. Regarde, j'ai reçu la livraison des colis. C'est les garçons qui portent pour rentrer avec. Toi, tu t'assois dans ton taudis. Juste, tu me tagues jusqu'à ce que tu parles de beauté. Tu es belle. Tu peux te placer comme ça, like this. Tu peux? Can you try? Est-ce que tu... Facebook, hein? Facebook trompe beaucoup de personnes. Oui? Tu peux mettre le carton à l'ascenseur? Oui, Facebook trompe beaucoup de personnes. D'où tu vas te lever jusqu'à... C'est qui ça? J'ai reçu un appel, il a fallu que je réponde à mon appel. C'était mon rendez-vous avec la poste pour le compte pour des livraisons. Mais toi, tu vas t'asseoir, tu écris, tu me tagues. Ma, tu me tagues pourquoi? Tu es là, tu n'as pas de... C'est-à-dire que tes deux mains ne sont pas liées. Tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds. On te traite de mendiante. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Hé! Hey! Tu veux parler à une femme? Regarde, maman. J'ai reçu ma livraison. C'est les garçons qui portent. C'est mes garçons qui portent pour rentrer dans la maison. Et à quel moment tu dis que tu peux t'asseoir et me taguer? Rien ne me choque. Rien ne me choque. Parce que sur Facebook... Quand quelqu'un place sa caméra là, il pense que oui, je sais pas. Sinon, ça prouve encore une fois à quel point tu as un cerveau vide. Vide. J'ai dit, moi, une vieille femme comme moi, du haut de mes 39 ans là, deux enfants à l'appui, mon corps, compresseur, mon corps aussi, il est sacré. Ça veut dire que la personne qui a accès à mon corps doit d'abord respecter. Moi, elle va me brûler. Hey! Un homme peut me brûler. Qu'un homme va me brûler. Brûler ma peau. Brûler ma peau. Brûler. Me brûler. Tonton Ngoulap. Oui, Ngoulap le 25 novembre. J'ai dit, moi, du haut de ma vieillesse, deux enfants à l'appui. Ça veut dire que quand un homme me drague, il sait qu'il a mes deux enfants en charge. L'homme qui va jouer avec moi comme il joue avec toi, là, il n'est pas né. L'homme qui va me manquer le respect, comme Thierry, tu humilies tous les jours, là, il n'est pas né. Je dis, moi, vieille femme,
vieille femme avec le corps plein de vergitude là. Aucun homme ne peut me faire ce qu'on te fait là. Aucun. Ta beauté te sert à quoi? Adieu. Hein? Ne jouez pas à l'ascenseur, laisse ton frère sortir. Jali, tiens l'ascenseur à ton frère. Ta beauté te sert à quoi? Ta beauté te sert à quoi? Tu veux venir parler du compresseur? Maëlle, vous faites trop de bruit. Vous faites trop de bruit depuis le hall, tous les voisins du bar, vous perturbez. Mais c'est pas vrai. Quand j'entre à la cuisine, je brûle mes mains. Compresseur, quand je n'ai rien vendu, aujourd'hui, en ce aujourd'hui là, j'ai mis même délivré off. J'ai mis délivré off. Parce que rien que les commandes directes me donnent mon chiffre d'affaires que j'ai prévu de faire dans mon business plan. Quand j'entre, regarde ce soir, j'ai la commande de 6 poulets braisés. 6 poulets braisés. Je te laisse multiplier 42 euros fois 6. Ok? Je ne suis pas ta camarade. Malgré mes enfants, malgré mes responsabilités, malgré mes charges. Compresseur, respecte-moi que tu vois là. I'm not your mate. I'm not your friend. I'm not... Merci, chérie. Oui, j'ai pris l'ascenseur. C'est bien, merci, mon amour. Merci. Il va arriver, le McDo? Oui, il va arriver, le McDo. Je ne suis pas ton... Ne parle plus jamais de moi. Ne parle plus jamais de moi. Tu as compris, non? On est venu te dire que ce que tu as fait est mauvais. Tu ne peux pas prendre... Tu ne peux pas prendre... Une fille ne peut pas t'ouvrir sa porte. Tu entres chez elle. Tu commences à sortir son gars. Elle te laisse partir avec. Tu décides de mettre ses nudités dehors. Une maman comme moi. Je vais réitérer mes dires de la dernière fois. Si toi, Ngrenga, tu avais ouvert ton ventre comme ça, tu as poussé. Tu y as les actes que tu ne devais pas poser. Parce que tu aurais peur que tes enfants ne payent pour ta méchanceté. Tu devais avoir une... Comment je dis? Jani, tu bavardes beaucoup, j'entends rien en fait. Tu ne pouvais pas. Si tu avais le souci que peut-être mon enfant peut payer de mes erreurs. Ngrenga, tu n'allais jamais poser les actes que tu as. Aujourd'hui, tu te tues à justifier. Tatiana et moi n'étais pas ma copine. On sort des vidéos où, dans laquelle tu disais l'appeler tous les soirs. Pourquoi tu te justifies? Parce qu'au fond de ton âme, you know that you did something very wrong. Tu sais, la seule personne qu'on ne ment pas dans la vie, c'est sa conscience. Tu peux mentir à tout le monde. Mais ta conscience est ton ennemi numéro uno. Ta conscience est ton premier ennemi. On est sorti, te dit que laisse la fille tranquille. C'est toi qui as pris son gars. Elle a le droit, si elle veut se coucher au sol pour pleurer, elle a le droit de pleurer comme bon le sang. Si elle veut sauter pour pleurer, elle a le droit. Tu ne peux pas faire ça à une fille et venir dire que pourquoi elle pleure. Que toi tu es qui? Et c'est pour ça que je réitère mes dits, parce que je connais ce qui t'a fait mal pour que tu sortes de mon poste. Et je ne mettrai pas des gants en te disant que si tu avais poussé et que c'est sorti dans tes fesses, tu devais avoir des limites. Tu devrais avoir des limites parce que moi aujourd'hui, j'ai peur des actes que je pose. Je ne veux pas que les pauvres, ils payent pour mes erreurs demain. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent même me parler. Je dis, tu as gagné, tu es fort, je pars. Parce que j'ai... I always think about my kids. I always think about my kids. Toi, tu mets quoi? Tu fais quoi
Oh, tu peux mettre, tu joues en train de dire aux gens, tu peux mettre les chaussures que je mets, tu peux mettre... Merci. Tu peux mettre l'habit que je mets. Toi, tu vas parler d'habit avec quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas un salaire. Quelqu'un qui n'a pas des entrées. Tu n'as pas d'entrée officielle reconnue. Tu as des petites allocations. Tu n'as pas d'entrée. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu ne peux pas mettre la chaussure que je mets. Tu dis à quelqu'un qui travaille qu'il ne peut pas mettre la chaussure que tu mets. Or, la personne peut décider de prendre son salaire à la fin du mois, aller se faire plaisir. Compression, tu es la dernière fille qui pouvait parler aux gens sur Facebook. Tu es la dernière fille. Compression, tu as vu moi, vieille fille de 39 ans, deux enfants, l'homme avec qui je suis a un bac plus, 8. À une profession comme ça est plus jeune que moi parce que moi j'ai décidé de me donner la valeur. Je m'en fous si tu es plus jeune que moi, je me suis donné la valeur. Cet homme sait que je peux me prendre en charge et prendre mes enfants en charge. Alors il me respecte. Gringa, regarde le lit dans lequel je dors. Regarde le lit d'une femme. Je me suis réveillée, je n'ai même pas fait mes draps. Je n'ai même pas fait mon lit. Gringa, regarde. Regarde où. Toi, tu vas me parler. Gringa, tu à quand? When Gringa see my bed. Regarde le lit d'une femme. Je me suis levée le matin. J'ai fait mon repassage ici devant vous. Je suis allée pour aller faire mes rendez-vous professionnels. Regarde dans le lit dans lequel je dors. Regarde seulement mes draps, Gringa. Tu ne te croirais pas dans une hôtel, dans une chambre d'hôtel 5 étoiles. Vous vous levez même souvent pour parler aux gens n'importe comment, que ça vous prend par où. Tu devrais avoir honte. Tu devrais avoir honte. À un moment de la vie, il n'y a que les imbéciles qui changent. Jusqu'à tu te lèves le matin, tu me tagues. Tu tagues une femme. Hé, Anti. Tu me tagues pourquoi? Parce que je t'ai dit à quel point tu es une femme méchante. Je t'ai dit à quel point tu es une femme cruelle. Hein? Pendant que tu me tagues là. Je suis à la poste pour créer le compte Livraison Société. Oui, parce que les colis aujourd'hui, tu as vu les colis? Les colis que j'ai aujourd'hui, c'est les colis qui coûtent cher. Un colis, c'est 580 euros. Donc, je ne peux pas envoyer un colis à 580 euros s'il n'y a pas l'assurance qui garantit que si je perds, la poste me rembourse. Vous prenez les gens pour des paresseuses comme ça. Je t'ai donné tout genre de conseils, tout genre d'idées pour essayer de gagner de l'argent. Une chienne comme toi. Tu te lèves, tu tagues. Tu tagues qui? On n'a pas les mêmes. J'ai les problèmes d'argent. Mais tes problèmes, ta qualité de problème d'argent, non. Je n'ai pas ça. J'ai un autre degré de problème d'argent. Mais pas ta qualité là. I have problem of money, but not your problem. Toi, tu as les problèmes de l'argent. Tu as les problèmes d'argent des gens qui sortent du désert. Les gens qui viennent de sortir du désert. La qualité de problème d'argent qu'ils ont là. Tu n'as pas les problèmes d'argent. Tu n'as pas les problèmes d'argent de quelqu'un qui a fait 20 ans en France. Tu n'as pas ces problèmes. Tu as les problèmes de quelqu'un d'argent, de quelqu'un qui sort du désert. Quelqu'un qui est encore en train d'essayer de comment il va faire. Toi, tu viens me taguer. Tu me tagues pourquoi? Tu es une mauvaise femme. J'ai dit que si tu avais accouché compresseur, tu ne pouvais pas faire ce que tu fais là. Parce que tu aurais peur que ton enfant peut payer pour ça. Je sais que c'est ça ce mot qui t'a fait mal. Mais parce que c'est vrai. Une femme qui a les enfants, je vous ai encore dit que quand vous venez de dire que c'est une grande clasheuse, tu clashes plus que qui? Tous les Camerounais sont des clasheuses nés. Tous les Camerounais, on est tous têtes brûlées. It's just that. C'est juste que quand une femme a eu la grâce d'enfanter,
Elle sait qu'après elle, il y aura une vie. Moi, aujourd'hui, si je tombe, mon nom va continuer de régner via mes enfants. Donc, je dois vivre, je dois aménager ma vie. Je dois faire de sorte que si je parte demain, que mon enfant arrive dans un bureau, que quelqu'un ne prenne pas son CV, jette parce que, parce que ta mère avait fait ceci à ma mère. Non. C'est ça la différence. Toi, tu sais que quand tu quittes ce monde aujourd'hui, terminé. Mounawaou, c'est ce que les Yaoundé, c'est alors ça que les Yaoundé disaient. Mounawaou. Toi, tu vas venir taguer une femme courageuse comme moi. Une femme, un exemple. L'appel Noir Délice. Bonjour, Ferry Flor, bonjour. Une femme comme moi. Une femme comme moi, une femme remplie de dynamisme, une femme qui, avec un cerveau comme un ordinateur. Et il y a les femmes, j'ai la femme de du petit frère de mon père. Elle n'a jamais enfanté. Mais cette femme était d'une gentillesse. Le petit frère de mon père avait deux femmes. Mais la maison de celle-là était toujours pleine. La maison de celle qui n'avait pas enfanté là était toujours pleine. Elle a élevé des enfants et des enfants et des enfants. Toi, compression, tu vas t'élever, tu insultes les gens. Tu peux mettre ce que je mets. Tu peux mettre. Compression, tu peux acheter un ensemble à 1000 euros et porter. Toi, tu vas acheter. Toi, tu vas venir dire, demander aux gens qu'ils peuvent mettre ce que tu mets, que tu as d'abord de quoi manger. Tu n'as plus de personnalité. On t'insulte, tu es là, tu te tais. On t'insulte, tu es moque. Parce que tu ne peux pas répondre. Même dans tes prises de position, parfois, tu es conditionné. Tu ne veux pas offenser celui qui t'a mis un petit 100 euros dans le PayPal. Moi, je. Over my dead body jusqu'à ce que la terre finisse. I will never beg. I will never beg in my life. Moi, je suis quelqu'un, c'est moi qui donne. Et pour être la personne qui donne. Pour être une personne qui donne, c'est une grâce. Je dis, au lieu que Dieu fait que c'est toi qui dois demander, priez pour que Dieu fasse que c'est vous qui deviez donner. Vous deviez donner, vous ne devez pas. Je serai toujours la tête et non la queue. Compression, tu es la queue. Tu es la queue. Tu vois le. C'est toi qui vois le derrière de tout le monde. Toi, tu vois le derrière de tout le monde. Moi, je ne verrai jamais le derrière de quelqu'un. Je serai toujours la tête et non la queue. Et quand je dis que je serai la tête et non la queue, je me donne les moyens pour faire. Tu passes le temps à brûler tes mains dans la cuisine pour un homme. Yamou n'a jamais crié sur moi. J'ai dit crier sur moi. Même dans ses plus pires colères, il trouve un moyen. Hé, hey, à voir les hommes qui ont allé à l'école. Oh. Mes soeurs, priez dans vos vies que Dieu vous donne un homme intellectuel, un homme intelligent, un homme qui n'a pas un langage ordurieux. Priez pour ça dans vos vies. Chaque femme doit prier, Seigneur, parce que l'homme, le compagnon d'une femme, doit être comme un papa. C'est lui qui doit être. C'est-à-dire, tu vas voir quelqu'un qui doit t'éduquer. Quelqu'un qui doit t'encadrer. Quelqu'un qui doit te protéger. Un homme qui prend le fer à le passer. Il te brûle. Toi, tu veux venir me parler. Je dis que l'homme qui partage ma vie, je le dépasse de 3 ans. Il passe mon temps à parler quoi? Il parle de quoi ici? Je parle de quoi ici? Au lieu de te remettre en question, tu viens insulter les gens sur Facebook. Tu sais, tu mettrais de l'aide. Comme ça, je suis 1000 fois plus belle que toi. Je suis de Mars, c'est même pas un débat. Mars, ce n'est pas un débat. Je suis 1000 fois plus belle que toi. Oublie. Laisse le fait que tu me vois comme ça. Gringa, je suis Miss devant toi.
Je suis Miss Monde devant toi. Oublie. Je suis mille fois. Les femmes sont aujourd'hui, elles se débrouillent, elles se battent. Corinne et un bonsoir, bonjour ma soeur, pour améliorer leur vie, pour donner un sens à leur vie. Tous les filles sortent du clash par la grande porte. Voilà Flo aujourd'hui. Demain, si je m'en... J'ai sorti comme ça, quoi, 1400 euros pour aller à la soirée de Flo. Parce que moi, j'aime encourager l'entrepreneuriat. Je ne suis pas riche, hein. Vous voyez, je brûle les poulets ici, 42 euros. Mais, quand quelqu'un te vous montre, quand quelqu'un décide de sortir par la grande porte, encouragez la personne à sortir. Je vous ai dit quoi avec ça? Hein? Encouragez la personne à sortir par la grande porte. C'est un redirect. Hein? Ok. Encouragez la personne à sortir par la grande porte. Gringa, laisse les filtres que tu mets là. Viens, ma soeur. Laisse les filtres que tu mets. Tu deviens comme Pocahontas. C'est sans haine. Laisse les filtres que tu mets. Tu deviens comme Pocahontas, man. Viens, ma soeur. Je traite ton visage. Viens, je soigne ton visage, mamie. Laisse les filtres que tu mets sur ton visage. Voilà le meilleur soin de visage. Gringa, voilà le meilleur soin de visage. Le masque infrarouge, il ralentit le vieillissement. Il active la production du collagène dans le corps de façon naturelle. Il débouche les pores pour permettre à votre crème, votre routine de bien absorber votre crème. Donc, laisse les filtres, ma soeur. 15 minutes, 10 à 15 minutes par jour de l'utilisation du masque infrarouge de chez Good Plant Store. Oui, mon chéri. 10 à 15 minutes d'utilisation du masque infrarouge de Good Plant Store. Ouais. Ma soeur, ça t'empêchera d'utiliser. Oui. Allez là-bas, fermez, s'il vous plaît. Je vous dis, quand je travaille, ne venez pas là. Ça va t'empêcher. Le masque infrarouge. Allez chercher les bienfaits de la lumière infrarouge sur Google. Je n'invente rien. Moi, la dépigmentation, mon combat. Aujourd'hui, je propose des produits qui vont embellir votre peau de façon naturelle. Ça s'appelle le masque à infrarouge. Masque infrarouge. Si tu vas sur Google, tu tapes lumière infrarouge. Tu demandes c'est quoi les bienfaits de la lumière infrarouge. Tu verras. Laisse la haine. Je ne suis pas ton ennemi. Je ne te déteste pas. Je ne te connais pas. Mais je te dis juste... Je te dis juste que tu as été mauvaise avec Tatiana. Tu as été mauvaise avec Tatiana. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Tatiana, moi, je ne la connais pas. Hein. Le site, je vais partager le site tout à l'heure. Là, j'ai fini le paramétrage du site Shopify. Vous aurez toutes les informations sur le site. Je vais partager là tout à l'heure. Je ne te déteste pas, je ne te connais pas. Je t'ai toujours dit. Quand tu travailles, ma chérie, tu es à l'abri de beaucoup de choses. Travailler te met à l'abri de beaucoup de choses. Vous voyez, les Asiatiques ne vieillissent pas. Pourquoi? Les Asiatiques, elles prennent soin d'elles. Elles prennent soin d'elles. Pascal,
Pascal Ndjunga, bonjour. Elles prennent soin d'elles. Nous, on a passé le temps. Pourtant, nous avons la meilleure peau qui existe dans l'univers, dans le globe terrestre. La peau noire est la meilleure peau. Mais au lieu de prendre soin et d'embellir notre peau avec des produits, des trucs naturels, nous avons décidé de détruire nos peaux avec des produits cancérigènes. Avec des produits cancérigènes. Moi, je l'ai fait tout seul. Il faut d'abord, moi, je sais pas, hein, moi, j'ai fait mon site. Tu vois que tu fais, non, à cause de toi, mon fils veut aussi déjà. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un masque jeu. C'est des lumières infrarouges, ce n'est pas un masque. Ce n'est pas un jeu. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi, ma chérie? Moi, j'ai fait ça, j'ai fait un live sur TikTok, je vous fais un live. Il y a des couvertures chauffantes. Vous avez vu ça? C'est des colis, ça c'est un colis. C'est des couvertures, des couvertures sauna qui luttent contre la perte du poids. Vous savez tout ce que j'ai souffert de l'obésité. J'ai fait deux fois la chirurgie pour perdre. Mais j'ai compris que si tu fais la chirurgie pour perdre, tu ne suis pas, tu reprends le poids. Donc, nous, aujourd'hui, on vend les produits. Les produits pour embellir sa peau de façon naturelle. On vend les couvertures sauna. Les couvertures sauna, c'est très bien. C'est un brûleur de calories. Ça détoxifie. Ça ouvre les pores. La beauté, tu peux la voir. Laissez que je finisse de retirer mes tatouages. Moi, je vais avoir la peau et le corps d'une petite fille de 16 ans. Ok? La seule chose qui me dérange aujourd'hui sur moi, ce n'est pas mon ventre ici. Hein? Ça ne me dérange pas. Je vous avais dit que j'ai le ventre froissé, non, regardez. Mais ça, ce n'est pas ce qui me dérange sur moi. J'adore mon ventre. Parce que quand je vois ça, je vois les costauds qui sont là-dedans. Là. Je me dis, Seigneur, merci, froisse même encore. J'ai dit, Seigneur, il fallait froisser plus que ça. Mais j'ai un truc qui me dérange sur mon corps aujourd'hui. C'est les tatouages. Et c'est pour ça que je suis entrée dans l'éveil. Ce n'est pas ça qui me dérangeait. Ça, pour moi, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai eue de ma vie. Ça. Pourquoi il va avoir une ventre lisse? Pourquoi je vais avoir une ventre lisse à 39 ans? Pourquoi? Ça, c'est mon bonheur. Ça, c'est ma grâce. Il n'est pas gros. J'ai un ventre plat. À la seule différence, c'est qu'il n'est pas lisse. Et je l'adore, mon ventre. Je l'adore. Tu as quel âge? J'ai 39 ans. J'adore mon ventre. Voilà. Donc, ce n'est pas ce qui me dérange le plus. Donc, le site va être partagé. Je vais partager le site là. Donc, dans pas longtemps, quand je vais couper le live, et vous pouvez commander, il y a les possibilités parce que les produits là coûtent cher. Rien que le masque là, je crois que ça doit être entre 175 euros. Le masque à infrarouge. La couverture chauffante elle avoisine les 500 euros. Oui, et la couverture chauffante avoisine les 500 euros. Mais il y a une possibilité de payer en plusieurs fois. Voilà. Pas directement sur moi, sur le site internet, il y a la possibilité de payer avec Klarna en plusieurs fois. Klarna et PayPal en plusieurs fois. Mais vraiment, mes chers frères et sœurs, ceux qui étaient en live sur TikTok hier ont vu. J'ai perdu plus de 900 à 1000 calories hier en faisant une heure dans la couverture chauffante. Quand je suis sortie, l'eau coulait. C'est-à-dire que l'eau coulait comme si je m'étais arrêtée sur un robinet. Je vais épingler le site, maman. Je vais épingler le site. Donc, Ringa, pardon, ma. À l'heure, c'est moi, il ne clash plus. Moi, il ne veut pas clasher. Je t'ai dit, ma soeur, que tu as fait quelque chose de mauvais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Remets-toi en question. Fais-toi un examen de conscience. Je t'ai dit de demander pardon à Tatiana de façon sincère, même si tu veux rester avec l'homme là. Parce que si les gens ont les trucs dans ton cœur, dans leur cœur te concernant, tu ne peux pas évoluer. Chacun se bat. Et moi, quand je vends, ça, c'est pas la communauté de noirs. Ça, c'est les masques. Toutes les blanches ont un masque à infrarouge chez elles. Toutes les blanches ont un masque infrarouge chez elles. Une routine quotidienne. Je suis en business. Pardon.
Demande pardon. Oh là 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 là. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis fatiguée. Je n'arrête pas. J'ai rendez-vous à la poste à 15h. Et... bon. Je vais poster le site de... Et il y a aussi pour le coup. Attends, il faut que j'ouvre le pour le coup là. C'est vrai que je n'ai pas ouvert ça. Moi aussi, je peux t'aider à ouvrir. Il n'y a rien que tu vas m'aider à ouvrir. Oui. Ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Ça, c'est pour le coup. Vous avez vu? Vous avez vu? Voilà les stocks que j'ai reçus hier. Ça, c'est pour le coup. Est-ce que tu penses que Christelle, elle a un masque, un foulard rouge? Pourquoi Christelle? Jenny, quand tu vas chercher tes amourettes, là, laisse-moi tranquille. Hein. Oui. L'autre jour, le dernier jour de quand il m'a attaqué jusqu'à ce que j'ai acheté un bouquet de roses avec les chocolats. Réponds-moi à la création du site. Mais appelle-moi et écris-moi en direct quand même. Écris-moi, je sais pas, écris-moi en inbox si tu veux des renseignements. Appelle-moi. Je vais te dire, tu veux que je te dise quoi en live? Il y a mon numéro sur ma page. Si tu veux une information, voilà. Non. Tu m'écris. Il y a le masque pour le cou. Ça, c'est pour les femmes. Vous voyez, quand les femmes, quand le cou. C'est pour ça que vous voyez les femmes blanches, elles vieillissent bien. Dans la vie, quand vous décidez de faire les choses, faites bien. Je pars à la poste comme ça parce que j'ai eu beaucoup de précommandes. Et c'est les produits qui coûtent cher. Tu vas envoyer, vous avez vos commerces avec le nom. Attends, celle-ci, je vais t'éloigner. Tiens. Attends, est-ce que je l'ai bloqué? Attends, on fait ça comment? Attends, on fait ça comment? Ok. Bloque. Ok, merci. Vous voyez, ça se présente comme ça. Quand on fait le commerce, c'est le nom de compression. Le nom de commerce, compression, donne quelle vue? Les vues empoisonnées. Vous pensez que les vues de clash sont des vues? Ça, maintenant, c'est pour le coup. Madame, ça doit être votre colis, ça, non? Ça, c'est pour le coup. Ouais, on met comme ça. Vous le mettez comme ça et vous le mettez aussi de ce côté. Oh, après, ça soulage. Vous voyez, vous le mettez aussi de ce côté. Madame Kouati. Jenny, ouais. Excusez-moi. Tu as pris ça où? C'est Jenny qui m'a donné. Ouais, elle a arrêté. Il y a ça pour permettre de mettre au coup. Ça, sa pochette. Il y a ses... Je l'ai désépinglé et je l'ai bloqué. Donc, voilà, il y a ça, c'est pour permettre d'attacher. Vous avez sa pochette. Si vous partez, si vous êtes en voyage, vous la rangez dans sa pochette. Il y a sa télécommande et il y a son truc. Voilà. C'est comme ça que ça se présente. Il faut lutter contre le vieillissement de façon naturelle. Voilà. Je vais le ranger. Moi, j'ai ça, je vais le conserver pour moi. Voilà. Voilà, je vais le conserver ça pour moi. Voilà. Donc, je vais le mettre là. Il faut lutter contre le vieillissement de façon naturelle. Tu penses que moi je vends, tu crois que moi je vais vendre sur Amazon France, Amazon États-Unis, Amazon Italie, Amazon Allemagne, Amazon Angleterre, partout. Moi je ne fais pas le dropshipping, j'ai mes stocks. Ça veut dire que quand quelqu'un commande, le lendemain il est sûr que son colis parte.
Je ne fais pas le dropshipping. Le dropshipping, c'est normalement les produits comme les couvertures, les saunas chauffants là. Peu sont les commerçants qui ont en stock. La plupart des gens, les gens font du dropshipping. C'est quand tu commandes qu'ils vont commander. Non. Moi, j'ai mes stocks. Tu crois que je vends le... Je fais le commerce de Facebook. Moi, je ne fais pas le commerce de Facebook. Je m'inscris partout. Amazon France, Amazon Italie. Il y a les blanches qui connaissent l'utilité des produits que je vends. Je ne vends pas les produits pour des gens qui... Voilà. Ma Jenny Freezer, parce qu'elle a fait, un post où elle m'a insulté sur sa page. C'est à elle que je répondais. C'est à elle que je répondais. Je lui disais que nous, on travaille. Voilà. J'ai dit, moi, je travaille. On n'est pas là pour passer. Apparemment, elle m'a tagué. Elle n'a même pas lu le post. On dit qu'elle me cherchait. C'est pour elle a répondu que moi, ne me cherche pas. Moi, je travaille. Pendant que tu me cherches sur Facebook là, moi, je suis en train de travailler. Enfants. Ok. La référence de ta veste. La référence de laquelle? C'est la référence de quelle veste? Ma soeur, fais-moi, écris-moi un email tout à l'heure. Bon, je vais couper le direct parce que je vais faire manger les enfants là. Et le McDo, il faut que je coupe pour commander le McDo. Parce qu'après, à 20h, 15h, j'ai un rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée.